roman Pour dans peu est un inédit qui a été retrouvé récemment dans les archives de l'écrivain. Il est très rare que ce soit le cas, surtout pour un écrivain comme Navarre, qui a été extrêmement célèbre à une époque, puisqu'il a eu le Goncourt en 1980. Il s'agit donc d'un roman complet que Philippe Lecomte et moi-même avons retrouvé dans les archives des ayants droit. Il s'agissait, qui plus est, d'un roman achevé qui n'avait encore jamais été adressé à aucun éditeur. C'est donc une chance inouïe que nous avons eue que H&O, l'éditeur, ait décidé de sortir ce livre. Bien, pour résumer le livre, nous pouvons dire que c'est l'histoire d'un homme, tout d'abord, Paul Welt, qui est médecin généraliste et qui est chargé de mission par le ministère de la Justice. Il doit faire un rapport sur les conditions sanitaires dans les prisons. C'est de cette manière que débute le roman. Et nous allons suivre Paul Welt pendant 6 journées, depuis une visite qui va le marquer dans une prison de campagne où sont détenus des adolescents, jusqu'à son retour à Paris, où il habite. Entre ces deux moments, nous accompagnons Paul Welt dans divers lieux où il va retrouver des moments importants de son passé. Voici, si vous voulez, pour l'anecdotique. Donc, en plus de l'histoire de Paul Welt, nous avons dans le texte des réflexions de Paul Welt ou d'autres personnages sur la société qui les entoure, sur les hommes politiques, sur leurs travers, sur leur incapacité à faire front aux enjeux de la société de leur temps. Et ce que je trouve absolument passionnant, c'est que les commentaires de l'auteur, écrits il y a à peu près 25 ans, puisque nous pouvons dater ce roman de la fin 1991, sont d'une grande actualité. Pour dans peu est le dernier roman en date, un roman inédit qui plus est.